C'est parti. Les MP3 du GPS, c'est pas foutu ton pote, ça. Un plan pépère, je vous l'avais dit, moi, le mec. Allez, on se rouille, on en prend un maximum. De la brigade territoriale et des gens en route, ils ont besoin de renforts, c'est urgent. Ludovic, votre gilet pare-balles. Avec cette chaleur? Oui, avec cette chaleur. Ok, ok. La clim, Roussillon. Ici Florent, avec Bravo Roméo. Nous arrivons sur place dans 3 minutes. Fais gaffe, Rémi! Rémi! Mon collègue est touché, grouillez-vous! Bravo Roméo, ne bougez surtout pas, nous sommes sur site dans moins d'une minute! Bravo Roméo, je compte 106. On envoie les secours! Merde! Comment vous vous sentez? Ils sont combien à l'intérieur? J'en ai vu deux, je suis pas très sûr. Ok, parlez-lui sans arrêt, le Samu arrive, il faut absolument pas qu'il perde connaissance. Merci. Je suis là, Rémi, hein? Tiens le coup, mon vieux. Laissez tomber, hein. Donne-moi ton arme. Hein. T'arriveras à rien, je te le garantis. Lâche ton arme. Qu'est-ce qui s'est passé?
du monde, gilet pare-balles. Hein. Ah, c'est plutôt Isabelle qui m'a sauvé la vie. Hein. Ah. Il est mort, bien. J'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Ici, c'est la consternation. Le bilan est très lourd. Un gendarme et un voyou tués. Le gardien de l'entreprise blessé a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne seraient pas en danger. Le plan Épervier vient d'être déclenché pour tenter d'interpeller les deux fuyards, dont l'un est sans doute blessé. Pardon. Elle est où, Isabelle? On est là, Isabelle. On est là. J'ai pas pu faire autrement, Philippe. Tout est allé trop vite. Et eux, ils ont eu des scrupules à tuer un de nos collègues qui avait 22 ans? Tu as sauvé Ludovic. Tu pouvais rien faire d'autre. Vous permettez, le lieutenant? Pour la balistique. Excusez-moi, mon capitaine. Je dois pratiquer une prise de sang, lieutenant Flora. Pardon? C'est la procédure normale en cas d'usage des armes. Vous voulez dire qu'elle pourrait être sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants? Non, moi, non, bien évidemment. Mais vous savez très bien que... Laisse, Philippe. Je vous suis, docteur. Ça va, Isabelle? Je peux vous parler un instant? Oui, allez-y, Patrick. Être obligé de faire usage de son arme, c'est notre hantise à tous. Je suis tout cœur avec vous. Merci. J'aimerais vous parler d'un point délicat. Je vous écoute. Le voyou a bien été tué d'une balle qui a pénétré latéralement sur son flanc droit. Oui, il tournait le dos et il menaçait de tuer Ludovic. Son arme était inoffensive. Comment ça, inoffensive? Les 5 cartouches sont percutées. Il avait tiré toutes ses balles. Enfin, puisque je vous dis qu'il menaçait Ludovic. Je sais. Il ne devait pas savoir que son arme était vide. Moi non plus. Évidemment. Mais je préférais vous en avertir. À tout à l'heure. Absolument que tu tiennes le coup, Isabelle. Tu crois que c'est facile? Il n'y a aucune raison de culpabiliser, je te le répète. J'ai tiré sur un homme désarmé, Philippe. Je trouve que c'est une raison suffisante. Non, Isabelle. Tu as été contrainte à un tir de neutralisation sur un individu armé et dangereux. Allez, viens. J'ai été saisi par le procureur de la République de 2 informations judiciaires distinctes. L'une concernant le braquage, proprement dit. Cette enquête incombe à votre brigade, capitaine. Et l'autre concerne le tir mortel du lieutenant Florent sur l'un des voyous. À ce titre, j'ai l'intention de saisir l'inspection technique de la gendarmerie. Qui retiendra évidemment la thèse de la légitime défense. Ça, c'est l'enquête qui le dira. Il y avait danger imminent, monsieur le juge. La légitime défense s'applique pour soi-même comme pour autrui. Pensez-vous que je l'ignore? Cette affaire est très délicate. Je tiens à la mener avec diligence et dans la plus grande transparence pour éviter tout dérapage sur le thème éternel de la bavure. Vous avez oublié le bilan dramatique de cette fusillade? Bien sûr que non. Mais la machine à fabriquer les rumeurs est déjà en route. Je pense que vous connaissez la procédure aussi bien que moi. Je suppose que je vais être placé en garde à vue. Probablement. La chambre criminelle comprendrait mal que nous ne soyons pas d'une rigueur extrême dès lors qu'un membre des forces de l'ordre est impliqué dans une telle affaire.
Je comprends, monsieur le juge, mais je trouve cette mesure vraiment disproportionnée. Garde à vue ne signifie pas mise en examen. Lieutenant, je vous demande de ne pas vous entretenir avec vos collègues, afin qu'on ne puisse pas vous soupçonner d'avoir tenté d'influencer leur témoignage. Mon capitaine. Monsieur le juge. Lieutenant. Mes respects, monsieur le juge. Garde à vue, alors que c'est une médaille qu'il faudrait te remettre. Tu ne vas pas lui reprocher d'appliquer la loi tout de même. Je voudrais seulement un peu plus de compassion pour les victimes. C'est tout de même la gendarmerie qui a payé le prix fort dans cette affaire. Le juge n'a pas dit le contraire. La preuve, il ne nous a pas dessaisi de l'enquête sur les braqueurs. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je m'énerve, et c'est toi qui gardes ton sang-froid. Ça, c'est vite. Écoute, n'hésite pas à nommer Rivière chef des opérations le temps que je sois à nouveau disponible. Je le ferai. Quoi qu'il arrive, je voulais que tu saches qu'on est tous avec toi, Isabelle. Je sais, Philippe. Merci. Comment en est-on arrivé à ce véritable carnage? C'est la question qui se pose dès maintenant aux officiers en charge de ce dossier. Le probable placement en garde à vue d'un officier de la gendarmerie est peut-être la conséquence directe... Vos médicaments, monsieur Marchand. Merci, Louise. L'enquête a été confiée aux officiers de l'inspection technique de la gendarmerie qui vont maintenant entendre le lieutenant Isabelle Florent, commandant la brigade de recherche de Grasse, que l'on peut voir actuellement au du capitaine Tremel, commandant... Ça va pas, monsieur Marchand? Je suis maladroit. C'est votre dernière chimio qui vous a fatigué? Certainement, oui. J'ai rempli le frigo. Je repasserai jeudi, mais vous pouvez m'appeler quand vous voulez si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est gentil, merci. Je pense que je ferai sans vous. Isabelle Florent. Comment on se retrouve? Vous attendez. Entrez, lieutenant. Commandant Vanier, de l'inspection technique. Lieutenant Florent, mes respects, mon commandant. J'ai emprunté votre bureau pour mener mes auditions. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vous présente l'adjudant Mallet de l'inspection technique également. Lieutenant. Adjudant. Lieutenant. À partir de cet instant, vous êtes placé en garde à vue. Bien évidemment, elle se déroulera dans les meilleures conditions. Pas de fouilles au corps, de menottes, ni de placement en cellule. Un seul impératif, ne quitter la caserne sous aucun prétexte, sauf mon autorisation expresse. On peut commencer? Asseyez-vous. Bien. Étant le seul officier présent au moment des faits, vous êtes naturellement trouvé en position de commandant des opérations. À ce titre, j'attends de vous des explications concernant la chronologie des événements et surtout le rôle de chacun, sans omettre le moindre détail, même s'il est en défaveur de certains des gendarmes impliqués. Je n'ai rien à cacher. Les deux hommes de la brigade territoriale de Grasse arrivés sur place quelques minutes avant vous avaient... actionnés gyrophares et sirènes de ton. Ils se sont positionnés beaucoup trop vite et surtout beaucoup trop près de leurs agresseurs. Pas très prudent, tout ça. Vous ne trouvez pas? Si, si, je le déplore. Vous considérez qu'ils ont commis une faute professionnelle? Ils sont jeunes. Ils manquent d'expérience, sûrement. Et de discernement. Mais pas de courage. D'autre part, je vous rappelle que dans cette histoire, le gendarme Rémy Boisson a perdu la vie. Au début de l'intervention, vos hommes ont pénétré tout de suite dans le hangar. Pourquoi n'avez-vous pas figé la situation en attendant les renforts? Nous ignorions ce qui se passait à l'intérieur. Le sort du gardien de l'entrepôt en particulier, et nous ne connaissions pas le nombre exact de braqueurs. Et vous ne vous êtes pas posé non plus la question de savoir s'ils retenaient des otages? Rien ne laissait supposer. L'urgence était de porter secours aux victimes, je pense, et d'éviter que les braqueurs prennent la fuite. Bref, vous n'avez rien à vous reprocher, ni à vous, ni à vos hommes. Parce que vous pensez
que je suis fière de moi. Vous regrettez quelque chose? Oui. D'avoir vécu cette journée, mon commandant. Voulez-vous un verre d'eau? Ou un café? Un verre d'eau, merci. Fut un temps où on se tutoyait. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, mon commandant. Vraiment? Tu as oublié? Vous avez demandé à nous auditionner, mon commandant? Oui. Je poursuivrai l'audition du lieutenant plus tard. Entrez. Je suis vraiment désolé. L'important maintenant, c'est de retrouver ces types. Gendarme Lestac, je vais d'abord entendre votre collègue Roussillon. Je vous auditionnerai après. Très bien, mon commandant. Vous me recevez? Fort et clair. Votre mission? Quadriller les secteurs Bravo 12 à Delta 70. Je vous rappelle que nous sommes à la recherche d'un véhicule SIAT de couleur rouge immatriculé 519 Alpha Victor X-Ray 06. Deux individus à bord, armés et dangereux. Bien reçu. Compte tenu du peu de temps dont disposaient les fuyards avant la mise en place des barrages, on peut subodorer qu'ils n'ont pas pu quitter ce périmètre. Mmh. Le problème, c'est que c'est un vrai dédale de maquis et de hameaux isolés. Toutes les issues sont sous contrôle? Affirmatif. Le blocage est effectif partout. Bien, s'ils sont encore là, il leur est pratiquement impossible de quitter le secteur sans se faire repérer. J'organise immédiatement le dispositif de relève pour les prochaines 24 heures. Espérons qu'on les aura coincés avant. Repérer la bagnole. J'ai mal. T'inquiète. Allez, grouille, Marco. À trois. Un, deux, trois. Pas te faire de mal. T'as eu du bol. La balle a traversé la jambe. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des centaines de flics partout. Il y a des barrages et des chiens. Il va falloir trouver une autre pièce. Et du fric aussi. Des médicaments pour toi. Mais comment tu vas faire? Je peux pas bouger. On va trouver un plan. Faut juste réfléchir un peu. J'ai trop mal. Putain. C'est moche ce qu'ils nous font subir. Ils font leur métier, Christine. Si j'étais à leur place, je ferais exactement la même chose, je vous assure. Enfin, vous n'êtes pas une criminelle, quand même. Je vais vous faire un thé. C'est gentil, mais là, je comptais prendre une douche. Je voudrais faire un petit peu le vide. Venez, un thé avec un petit peu de miel. Ça va vous faire du bien. C'est vrai que c'est bon. Je suis sûre que vous n'avez rien mangé depuis ce matin, en plus. J'ai pas vraiment eu le temps, Christine. Une omelette, ça vous va? C'est gentil, mais je crois qu'il vaudrait mieux que je rentre. Je vous embête? Non. Ce qui m'embête, c'est de laisser mon équipe travailler seule et de ne pas être tenue au courant de l'évolution de l'enquête. Et Francis ne vous a même pas téléphoné? Il y a des consignes. Il les respecte, c'est normal. Eh bien, moi, j'estime que quand les ordres sont injustes, le devoir d'un militaire est de désobéir. On n'est pas en temps de guerre tout de même. Cela dit, c'est vrai que j'aimerais bien savoir où en sont les recherches.
voyou qui a été tué n'avait pas de papier d'identité sur lui. Vous pouvez s'y attendre. J'attends la réponse du fichier automatisé des empreintes digitales. Avec quel véhicule est-ce qu'ils ont pris la fuite ? La voiture du gardien. Le gardien a été entendu, lui ? Non, son état ne le permet pas pour l'instant. Qui connaissait le code d'accès de l'entreprise en dehors du gardien ? Un paquet de monde. Les employés, les chauffeurs routiers, les livreurs. Enfin, bref, quoi, tout le personnel. Quoi. Ah, excusez-moi. Ah, c'est ma femme. Oui, Christine ? Francis, c'est Isabelle, vous m'entendez ? Christine, là, je suis en réunion, là. J'en ai pas pour longtemps. J'ai réfléchi à propos des complicités possibles dans l'entreprise Gerbino. C'est pas un hasard s'ils ont cambriolé l'entrepôt le jour où il y avait énormément de matériel. Ils ont dû être renseignés. Oui, parce que je vais m'en occuper, Christine. Francis, j'aimerais aussi que vous transmettiez mes condoléances à la famille du gendarme Boisson. Dites-leur qu'on est de tout cœur avec eux, d'accord ? Voilà, c'est ça, je vais faire ça. Je t'embrasse, ma chérie. Merci, Francis. Un souci ? Non, c'est ma femme, elle voulait savoir si j'avais bien pensé à prendre les billets pour l'opéra. Vous aimez l'opéra ? Non. Enfin, si, j'adore. Enfin, surtout Christine. Pas vous ? Bien sûr que si. Si. Vous allez voir la Tosca, à Aix, jeudi soir. Hein ? La Tosca, voilà, c'est ça. Oh, bah, très bien, on pourra y aller ensemble, j'ai déjà pris mon billet. Gendarme Lestac, vous confirmez que le lieutenant Florent vous a sauvé la vie ? Oui, absolument. Le voyou était en train de me braquer, il allait me tuer. Pourtant, son arme était vide. Mais comment aurais-je pu le savoir ? Lui-même ne le savait sans doute pas. Sa situation était pourtant désespérée. Pourquoi ne s'est-il pas rendu ? Il ne l'a pas fait. Il s'est suicidé, quoi. Vous êtes déjà fait tirer dessus, adjudant ? Bah même avec un gilet pare-balles, c'est comme si on se prenait un énorme coup de bélier en pleine poitrine. Oh, excusez-moi si je me souviens mal de tout ce qui s'est passé. J'ai appris qu'on vous accorde une ITT de 10 jours. Profitez-en bien. Mes collègues ont encore besoin de moi, alors c'est pas le moment de prendre des vacances. Ça, c'est à votre capitaine d'en décider. Lestac, rien d'autre à ajouter. Rien, mon commandant. Si vous voulez bien me signer le bébé. Vous n'en lisez pas ? Pourquoi faire ? Alors ? Très pénible, mais au moins c'est fait. Et toi ? Moi, il a essayé pendant toute l'audition de me faire dire qu'Isabelle avait peut-être commis une erreur d'appréciation. Moi aussi. Ça te choque pas ? Bah, tu trouvais normal qu'il n'y ait pas d'enquête sous prétexte qu'on est gendarme ? Oh, attends, arrête, Ludo, là-haut. Ce type, c'est un gros macho. Il rêve que d'une chose, c'est de charger à bloc Isabelle. Je pense bien qu'une femme officier, c'est insupportable pour lui, hein. Bien, avec la nuit, les recherches vont être plus difficiles, mais il est hors de question de relâcher la pression. De votre côté ? On a sensibilisé les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens. Aucune info n'est remontée sur un type éventuellement blessé par balle. Tu es sûr à 100% de l'avoir touché ? Oui, mais peut-être que la balle n'a fait que l'effleurer. Et des nouvelles d'Isabelle ? Non, et je te rappelle qu'il est formellement interdit de rentrer en contact avec elle. Oui, c'est pas parce que t'es le patron qu'il faut commencer à faire du zèle, hein. Ah, parce que tu crois que ça m'amuse d'être le chef, comme tu dis ? Non, je préférais qu'Isabelle soit ici, avec nous, plutôt que d'être traitée comme une criminelle. Ça va. Hey, cool, attendez, le meilleur moyen de la soutenir, c'est de faire notre boulot le mieux possible, non ? Vous êtes pas d'accord ? Ouais. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut absolument que tu prennes deux places pour l'opéra jeudi soir. Le capitaine a déjà son billet. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Francis ? Tu détestes l'opéra ? Je te le confirme. Seulement avec ton plan foireux, je vais devoir me taper 3 heures de Castafiore. Tu peux pas savoir ce que ça me fait plaisir. Ah ben moi, je suis très contente. Parce que je suis sûre que ça va être une vraie révélation pour toi. Franchement, ça m'étonnerait. Dis-moi, t'as une petite mine, toi ? Un collègue qui a été tué, l'enquête qui n'avance pas, Isabelle qui est en garde à vue. Tu devrais aller la voir, ça lui ferait plaisir. Je n'ai pas le droit, Christine, mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir me culpabiliser ? Excuse-moi, je suis un peu stressé. Bon, j'y retourne. Alors oui.
C'est moi. Je voulais vous dire, je suis de tout cœur avec vous. Vous avez très bien fait votre métier. Comme d'habitude. Qui êtes-vous? Je ne me laisserai pas tomber. À très bientôt, j'espère. Mais qui êtes-vous? Allô? Allô? C'est toi, ma chérie. Je m'inquiétais. Vous étiez où? Je suis allée au ciné avec Aurélie. Vous avez vu quoi? Rien, une grosse teub. Ça a pas l'air d'aller. Alors, c'est vrai, t'as buté un mec? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Tout le monde en parle. C'est horrible. J'ai pas pu faire autrement, Chloé. Fallait que je protège Ludo. Si tu savais comme je me sens mal. C'est la première fois que je tue quelqu'un. J'arrive pas à le réaliser. Tu vas t'asseoir, je vais préparer le dîner, d'accord? Oh, j'ai pas faim. Il faut que tu manges. Oh, j'ai pas faim. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Sinon, je vais pleurer, moi aussi. On est chouettes toutes les deux, là. Je m'occupe de tout, d'accord? Je le prends pas mal, Isabelle, mais j'aime de moins en moins ton métier. C'est trop dur. Isabelle? Ah, c'est vous, Platon. Je vous dérange? Non, non. Mais vous savez que vous n'avez pas le droit de me parler. Sans blague. Vous pouvez venir me rejoindre au labo. En passant par la petite cour, personne ne vous verra. Oui, d'accord. J'arrive tout de suite. Je reviens dans 5 minutes, Chloé. Tant pis pour toi, tu mangeras froid. Hein. Vous prenez des risques, hein, Platé. Calculé. Bon, je vais faire vite. Les empreintes du voyou tué sont fichées au FAUD. Il s'appelle Grégory Balin, 23 ans. Plusieurs condamnations pour divers délits. Les recherches sont lancées, sa famille, ses relations, dernier domicile connu. Et les individus qu'il a fréquentés lors de ses séjours en prison, etc. Ses complices? Portaient tous des gants. Les traces et les empreintes relevées sur leur véhicule n'ont rien donné pour l'instant. Par contre, c'est là que je voulais en venir. Une empreinte digitale partielle sur la crosse du Ruger 38, le Balin. L'empreinte de pouce. Mais c'est pas la sienne. Elle n'est pas répertoriée au fichier. Voilà. C'est ce qui m'intrigue. Ses complices n'ont peut-être jamais été fichés. Peut-être jamais eu affaire à la justice. Vous avez sans doute raison, n'empêche que c'est quand même un peu bizarre. Qu'est-ce que vous avez en tête, Patrick? Rien de précis pour l'instant, je cherche. Je ne peux pas vous chasser, mais il vaudrait peut-être mieux ne pas vous éterniser ici. Ça m'a fait plaisir de vous voir, Patrick. Moi aussi, Isabelle. Vous pouvez y aller, je vous tiendrai au courant. Merci. Bonsoir. Bonsoir. La gendarmerie. Mais j'ai rien à leur reprocher. Vous savez, moi, ce qui m'importe, c'est la révision de mon procès et ma réhabilitation. Voilà la porte.
C'est bien votre fils. T'as maigri. Il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu? 3 ans, moi. Je sais rien de lui, de ses amis, de ses complices, alors c'est inutile de m'interroger. Vous allez perdre votre temps. Il s'agit de la mort de votre fils, madame Ballard. J'ai eu cet enfant quand j'avais 16 ans. Je ne l'ai jamais désiré, jamais aimé. Je voulais être comédienne. J'avais du talent. Il m'a pourri la vie, gâché la jeunesse. Alors aujourd'hui, si j'ai envie de pleurer, c'est pas sur son sort, c'est sur le mien. J'imagine que vous me prenez pour un monstre, mais je m'en fous. J'ai des dettes. Je galère. Alors, je vous préviens, je vais prendre un avocat. Je vais porter plainte. Je vais jouer parfaitement le rôle de la mère éplorée. Ce sera mon plus beau rôle. Et vous allez payer, croyez-moi. C'est pas gagné. Non, c'est pas terrible. T'as de la fièvre et ça a l'air de s'infecter. Et si on arrêtait? Arrêter quoi? On se rend aux flics. Mais tu délires? On en a buté un, je te rappelle, ils nous feront pas de cadeaux! De toute façon, ils vont nous trouver si on bouge pas. Cette nuit, je sortirai. Et moi? Tu m'attendras, je reviendrai avec une bagnole, du fric et des médicaments. Et moi, je fais quoi si tu te fais choper? Moi, t'arrêtes de penser qu'à ta gueule, je vais me démerder, je te dis! Tu vas pas me laisser tomber, Steph. Ludo, Patrick, tu peux passer me voir au labo, s'il te plaît? Non, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Les expertises, les stacks, voilà ce qui se passe. Elles font apparaître des incohérences dans les différents témoignages recueillis, dont le vôtre. Allez-y, Platon. Bon. L'empreinte relevée sur la crosse du flingue de Balin a été identifiée. Ça appartient, Ludo. Comment ça, elle m'appartient? Bonne question, Lestac. Comment? L'empreinte de votre pouce droit s'est-elle retrouvée sur la crosse de cette arme? Je comprends pas. Bah, il va falloir, pourtant. Comme je vous l'ai déjà dit, j'étais complètement sonné. Et peut-être que j'ai touché l'arme quand Isabelle a tiré. Un geste réflexe, quoi. C'est tout à fait possible. Oui. Vous voyez que j'ai raison de me poser des questions. Attendez-moi, commandeur. Ça change quoi que Ludo ait touché cette arme ou pas? Ah, beaucoup de choses. Ou rien du tout. Nous allons donc procéder à la reconstitution des faits ayant conduit à la mort de Balin Grégory. Avant toute chose, je vous informe que Madame Balin-Cécile, sa mère, s'étant portée partie civile, est présente, ainsi que son avocat, Maître Tullard du barreau d'Aix. Gendarme, mettez cette cagoule semblable à celle que portait Grégory Balin et prenez ce revolver. Lestac, prenez la position que vous occupiez lorsque Balin vous a menacé. C'est bon, par ici. Voilà. Balin était penché vers moi, l'arme dans la main droite, plus près. Encore. Voilà, comme ça. Lieutenant Florent, reprenez votre position, vous aussi. Je me trouvais ici, à peu près. Grégory Balin, vous tournez le dos? Oui. Vous avez dit quelque chose avant d'ouvrir le feu? Oui, j'ai crié 2 fois « lâche ton arme ».
À ce moment-là, il a fait un geste, j'ai cru qu'il allait tirer, donc j'ai tiré aussitôt. Lestac, pouvez-vous nous dire si Balin avait une attitude menaçante à cet instant précis ? Oui, oui. Je vous rappelle qu'on a isolé une empreinte de votre pouce sur la crosse de l'arme de Balin. Comment l'expliquez-vous ? On peut penser que dans le mouvement, en essayant de repousser l'arme... Non, l'empreinte se trouve sur la crosse, monsieur le juge. Pour moi, il y a une explication. Balin lui a tendu l'arme en la prenant... par le canon. C'est impossible. Ça voudrait dire que Balin allait se rendre. C'est pas le cas. Ludovic, dites-le. Lestac, est-ce que Grégory Balin était en train de se rendre ? C'est tellement flou dans ma tête, j'étais sous le choc, vous comprenez ? Lestac, c'est oui, c'est non. T'arriveras à rien, je te le garantis. Lâche ton arme ! Lâche ton arme ! Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Bien. T'es clair maintenant ? Enfin, Ludovic, pourquoi vous n'avez rien dit ? Je sais pas. Je suis désolé, c'est idiot, mais j'avais peur que ça vous attire des ennuis. Monsieur le juge, il semble que la conclusion s'impose. Le lieutenant Florent a tué un homme désarmé, qui n'avait pas de sang sur les mains et qui était vraisemblablement en train de déposer les armes. Mon fils ! Vous l'avez abattu comme un chien ! Comme un chien ! C'était mon seul enfant, vous comprenez ? Mon enfant ! Mon bébé ! Et vous me l'avez pris ! Calmez-vous, madame, je vous en prie, maître Tullard. D'où elle était, le lieutenant Florent ne pouvait pas deviner que Grégory Balin voulait se rendre. Je considère donc que dans l'urgence, et en fonction de l'extrême violence de la situation, elle a fait son devoir et qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Qu'en dites-vous, mon commandant ? Je comprends très bien le désespoir de Madame Balin. Bien sûr. Mais ce n'est pas cela que je vous demande. Pensez-vous que le maintien en garde à vue du lieutenant Florent se justifie ? Non, effectivement, je ne le pense pas. Comment ça ? Ah, il va rien se passer ! Il n'y aura pas de poursuite ! Mais cette femme a tué mon fils. Elle lui a tiré dans le dos. Et le faux témoignage du gendarme Lestac. Vous en faites quoi ? Le procureur général de la cour d'appel statuera très vite sur son cas. Je vous remercie. Oh ! C'est une comédienne. Maître, s'il vous plaît, un commentaire sur la reconstitution qui vient de se dérouler. Un seul, oui. Dans cette affaire, je n'ai pas peur d'utiliser l'expression de crime légal. Mais nous n'accepterons pas une telle pratique dans un état de droit comme la France. Nous n'en resterons pas là, je peux vous l'assurer. Il n'est pas question pour moi de vengeance ou d'argent, mais de justice. De simple justice pour une mère qui se retrouve seule et abandonnée. Vous trouvez ça normal ? Les gendarmes ont tué mon fils. Ils ont menti. Et il ne va rien se passer. Ne vous en faites pas, Cécile. Nous nous battrons jusqu'au bout. Venez. Ce qui a pu lui passer par la tête à Ludovic. Il a cru bien faire. Ouais, enfin, il a surtout fait un beau cadeau à l'avocat. De
crois qu'il risque gros ? Ah, des sanctions disciplinaires, sans doute, oui. Un retrait provisoire de son habilitation d'OPJ. Et si la mère de Balin continue à faire son cinéma, la du Moron se ferme. Et nous aussi. J'arrive pas à croire qu'elle joue la comédie. Enfin, c'est son fils, tout de même. Oh, moi, tu sais, plus rien ne m'étonne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous pouvez compter sur moi, Isabelle, je ne vous laisserai jamais tomber. Ah, un admirateur ? Un ange gardien. Je t'expliquerai. À mon avis, tu te fais du souci pour rien. C'est vrai, tu sais, des malades qui laissent des messages au téléphone ou qui laissent des petits mots, c'est pas ce qui manque. Je sais. J'ai la certitude de connaître cette voix. Je vais quand même demander à Platon de faire une recherche d'empreintes sur ce message. Moi, je crois que tu devrais lever un petit peu le pied, Isabelle. Pourquoi est-ce que tu profiterais pas du soutien de la cellule psychologique ? Tu veux que je les appelle pour toi ? Mais tu plaisantes ou quoi ? Ma garde à vue vient juste d'être levée. Je vais me mettre à fond sur cette enquête, Philippe. Comme tu voudras. Tiens, c'est peut-être lui, ton ange gardien. Hmm ? Vous me quittez déjà, mon commandant ? J'ai terminé mes auditions. Il ne me reste plus qu'à rédiger mon rapport en dissociant votre cas de celui de l'Estac. Ludovic est une victime. S'il a commis une erreur, c'est de vouloir me protéger, pas de travestir la réalité. Ça, c'est à moi de répondre à cette question, lieutenant. En tout cas, cette affaire dramatique a au moins le mérite de poser la question du commandement opérationnel et de son efficacité. Surtout quand l'officier responsable est une femme, n'est-ce pas ? Mais je n'ai jamais dit ça. Je veux bien aborder le sujet, si vous y tenez. Il fut un temps où vous n'étiez pas hostile à l'entrée des femmes dans la gendarmerie. Je constate avec plaisir que vous n'avez pas tout oublié de notre passé commun. Oublié quoi, Hervé ? Que j'ai couché avec un salaud qui a omis de me dire qu'il était marié et qu'il avait deux enfants ? J'ai divorcé, depuis. J'espère que c'est elle qui est partie. Maintenant, faites ce que vous voulez. Passez vos nerfs sur moi, vengez-vous, chargez-moi dans vos rapports. Mais si vous avez l'intention d'en faire baver à Ludovic, je ne vous laisserai pas faire. Croyez-moi. Mes respects, mon commandant. Enfin, Isabelle, qu'est-ce que tu as fait à ce type pour qu'il t'en veuille autant ? Absolument rien. Arrête, Isabelle. Tu le connaissais avant, c'est ça ? C'est terrible. Il était enseignant de droit pénal à l'école des sous-officiers de Montluçon. Et alors, tu as brisé le cœur de ton professeur ? Je ne te dirai rien de plus. Non mais franchement, tu lui trouves quoi ? Mais ma parole, t'es jaloux ? Moi, je suis jaloux ? Alors là, ça c'est la meilleure. Je te rappelle que toi et moi, il y a quelques années... Mais je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, si tu veux, on peut en reparler. Non. Je pense qu'en ce moment, on a mieux à faire que d'évoquer le passé. Tu crois pas ? Isabelle, tu te sens vraiment apte à reprendre tes fonctions à partir d'aujourd'hui ? Oui, je te l'ai déjà dit. Très bien. Prends-le, Isabelle. Ne donne pas raison à Vanille sur ta capacité à assumer ton commandement. Prends-le. Merci, lieutenant. Vous pouvez disposer. Je suis relevé de mes fonctions. Arrêt de travail de 8 jours avec suspension de mon habilitation d'OPJ jusqu'à la fin de l'enquête. Qui est-ce qui a décidé ça ?
le procureur général. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que je mérite, hein? T'as vu le journal? Les trous de mémoire de la gendarmerie. T'en fais pas, ça va se tasser, tout ça. Tu crois ça, toi? Soir que bientôt, ils vont raconter que c'est Isabelle qui m'a obligé à mentir pour couvrir l'exécution sommaire d'un suspect. Du calme, on n'en est pas encore là. Ah, Isabelle, content de vous revoir. Merci, Rossio. Bonjour, lieutenant. Je viens de discuter avec le capitaine. Il est hors de question que vous serviez de fusible dans cette affaire. Donc vous allez aller vous reposer, vous faire tout petit et tout devrait bien se passer. Et l'enquête, alors? On me tiendra au courant, t'en fais pas. Très bien. Tiens, ça va aller? Ouais. Merci. Je suis vraiment désolé, lieutenant. Au revoir. Bon, on en est où, Rossio? Si je comprends bien, mon expérience de chef suprême s'arrête là? Un peu de patience, Francis. Je vais bien réussir à me faire virer un jour ou l'autre. Ah, c'est bête, parce que je me sentais bien, moi, dans le rôle. Bon, trêve de plaisanterie. Simon Chevalier, chauffeur routier occasionnel chez Gerbino. Plusieurs condamnations pour vol et escroquerie. Et surplice du chef, du sous-chef. Il a été incarcéré à la même époque que Grégory Balin, au Beaumet. Total respect, adjudant Rivière. Ah bon, vous parlez comme ça maintenant? Isabelle, aucune empreinte exploitable sur votre petit moudou. Merci, Platon. Quel petit mou? Oh, c'est rien, aussi, on a un code secret entre Platon et moi. Alors, on peut le trouver où, ce Simon Chevalier? L'adresse est dans le dossier. C'est là. Quel étage? Deuxième étage, gauche. Brassard. Mon chevalier nous dira plus grand chose. Jean-Marc, Rivière, on est sur la découverte d'un cadavre. 42 rue Thiers. Bah oui, tu notes. On a besoin du légiste sur place et des techniciens d'identification criminelle. Je viens de parler au légiste. Nombreux hématomes sur tout le corps, lésions à l'abdomen, fracture des cervicales. Ils se sont acharnés sur lui? C'est un euphémisme. L'heure du décès? Il remonte à 2 ou 3 heures, maximum. S'il a été torturé, c'est qu'il savait quelque chose. À mon avis, vu ce qu'il a subi, il a dû parler. Il reste plus qu'à espérer que son portable va parler, lui aussi. J'y retourne. Ok. Mais c'est pas vrai, ça. Un problème? Regardez. Je vous avais bien dit que vous pouviez compter sur moi. C'est ça que Platon appelle vos petits modos? À quoi il joue, ce type? C'est pas un jeu, Rivière, ou alors si c'est un jeu, il est pervers. Qu'est-ce qu'il vous veut? Je sais pas. Quelqu'un qui surgit de mon passé, un ancien collègue qui aurait pété les plombs, quelqu'un que j'aurais arrêté. C'est quand même bizarre que ce texto arrive pile poil au moment où on découvre le corps de chevalier. Comme s'il était déjà au courant. Il voulait me faire passer le message qu'il est au cœur de toute cette affaire. Et si c'était lui, là, c'est ça? Excusez-moi, Isabelle. Oui, mon capitaine. C'est arrivé quand? Oui, je suis avec le lieutenant. On y va. La mère de Grégory Balin vient de faire une tentative de suicide. Elle veut vous parler. À moi? Oui, elle est à l'hôpital. Ont soutenu comme thèse que vous aviez totalement occulté votre acte et que vous étiez sincère en proclamant votre innocence. Mais c'est des conneries, tout ça. Je sais très bien ce que j'ai fait et je sais très bien ce que j'ai pas fait. Vous avez fait quoi, marchand?
Bonjour. Bonjour. C'est le lieutenant Florent ? Oui. Bon, heureusement, plus de peur que de mal. Qu'est-ce qu'elle a absorbé comme médicament ? Voilà. Qui a prévenu les secours ? La voisine. Effectivement, si elle avait voulu se rater, elle n'aurait pas pu faire mieux. Bon, à propos, elle insiste pour vous parler. Chambre 206. Merci, docteur. Du calme, Isabelle. Je vous rappelle qu'elle a porté plainte contre nous. Elle a demandé à me voir. Je vais la voir. 206. Alors, vous êtes contente ? Oui, de vous voir vivante, je suis contente, Madame Balin, et rassurée. Fallait me laisser mourir. Ma vie n'a plus aucun sens maintenant. Je me sens tellement seule. Qu'est-ce que je vais devenir ? Il était beau. Hein ? C'était le jour de son anniversaire. Il a l'air tellement heureux. Vous avez des enfants ? Non. Sûrement pas. Sinon, vous n'auriez pas fait ce que vous avez fait à mon fils. C'est pour me dire ça que vous m'avez fait venir, Madame Balin. Ah oui. Pour que vous preniez conscience des dégâts que vous avez causés, oui. Vous savez ce que c'est que le chagrin d'une mère. Vous comprenez ce que ça veut dire. Bravo. Vous vous êtes parfaitement ratée. C'est du grand art, Madame Balin. C'est monstrueux. Lieutenant, elle vous provoque. Quand on veut vraiment se suicider, on n'avale pas 2 aspirines et 3 somnifères. C'est ignoble. Faites-la taire. Je vais me taire, Madame Balin. Mais avant de partir, il faut que je vous dise une chose. J'ai tué votre fils, c'est vrai. Et je le regretterai toute ma vie. Mais quoi qu'il ait pu faire, c'est lui la véritable victime. Vous gagnerez peut-être votre procès. Mais peu importe. Le mal est fait. Et vous ? Vous m'avez trouvé comment ? J'étais bien. Vous y avez cru ? Oui, je sais, Francis, j'aurais mieux fait de me taire. Contrairement à Madame Balin, je ne suis pas comédienne. Et quand j'ai un truc à dire, je le dis. Je ne crédis pas, Isabelle, mais après ça, c'est sûr qu'elle ne va pas nous rater. Il va chacun condamné, tant pis. De toute façon, j'assumerai comme tout le reste. Si elle maintient sa plainte, on demandera une expertise psychiatrique. Pour elle ou pour moi ? Ah ben, c'est là toute la question. Quoi qu'il arrive, on sera toujours avec vous, Isabelle. Merci, Francis. Elle n'est pas là. Je peux lui laisser un message ? Vous lui dites que je la laisserai pas tomber. Elle aura vite de mes nouvelles. De la part de qui ? Elle comprendra. J'ai étudié les noms en mémoire sur le portable de Chevalier. Le numéro entrant et sortant. Beaucoup d'appels passés avant le braquage. Passé par une seule et même personne. Numéro caché, mais les télécoms m'ont sorti. Le nom de l'abonné, Stéphane Brenner, 23 ans. Connu lui aussi des services pour divers vols avec violence. Un rapport avec Grégory Balin ? C'est ce qu'on est en train de chercher. L'étau se resserre. Pas assez vite à mon goût. Vous savez, Patrick, depuis 2 jours, je me sens épié et observé. Votre ange gardien ? Ni ange, ni gardien, je le crains. Une impression très angoissante. Si le pire pouvait arriver à n'importe quel moment. Mais ça va ? Vous tenez le choc ? Je fais des efforts, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Merci pour tout, Patrick.
T'es là? Chloé? Ouhou. C'est moi. Chloé? Pourquoi tu cries comme ça? J'ai même plus le droit de prendre ma douche. Si, tu peux même en prendre 5 si tu veux. Donc, tu avais pas dit que t'avais un mec? Quel mec? Il a une très belle voix. C'est qui? Il est venu ici? Non, il a appelé. Il m'a même demandé de te faire une commission. Oui? Dites-lui que je la laisserai pas tomber. T'es amoureuse, c'est super, mais pourquoi tu me dis rien? Est-ce que je te demande, moi, si t'as un petit copain? Ça va? Non, je le ferai pas, parce que je respecte trop ta vie privée, figure-toi. T'as un petit copain? Tu me dis rien, je te dirai rien. Alors? Au risque de te décevoir. Non, j'ai pas de mec. Oh. Puis même si j'en avais un, tu crois que je te le dirais? Ah bah, j'espère. Je reviens demain matin, grand maximum. C'est sûr, hein? Mais ouais, t'inquiète. J'ai la trouille, Steph. T'as pas de raison, on va s'en sortir. M'oublie pas, hein? Florent, je voulais vous dire, je suis de tout cœur avec vous. Je vous laisserai pas tomber. Oui, c'est moi. J'ai besoin de te voir. Bon, admettons que ce type représente un vrai danger. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a quand même placé son petit mot pendant la reconstitution. Ça veut dire qu'il était là, physiquement, sur place. Sa déduction imparable, mon cher Watson. Je sais pas, peut-être été fait dans la foule ou filmé par la télévision. Le rapport qu'on a avec la presse en ce moment, je me vois mal demander la saisie de leur reportage. Alors oublions. Attends, je connais une jeune journaliste qui travaille à la télé, je peux l'appeler demain matin. Enfin, c'est sans aucune garantie. Ça fait du bien de te voir sourire. C'est tellement rare en ce moment. Tu as été définitivement blanchie, il avait tout soupçon, Isabelle. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Quand je me replonge dans tous ces dossiers, je me rends compte que le temps a passé si vite. Je m'en suis pas aperçue. Pendant toutes ces années, je réalise que je me suis pas beaucoup occupée de moi. Tu t'es pas beaucoup occupée de moi non plus. C'est vrai. Tu nous vois tous les deux en petit couple de gendarmes, bien rangés dans notre petite caserne. Pourquoi pas? T'es toujours aussi douce. Renseignements pris, Chevalier, Balin et Brenner ont été condamnés ensemble à un mois de mitard après avoir déclenché plusieurs bagarres pendant leur détention. Donc c'est dans ces circonstances qu'ils se sont connus? Sauf que Chevalier, lui, n'a jamais participé au braquage. Il était chauffeur aux entrepôts Gerbino, il connaissait bien la boîte. Il a dû leur refiler les bons tuyaux pour leur cambriolage. Probable. Et les recherches sur le terrain? Ratissage systématique, mais c'est long et fastidieux. Florent, j'écoute.
J'arrive, mon capitaine. Pardon. Je vous en prie. Oui. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Tu as bien dormi? Tellement bien que je n'ai aucun souvenir de ma nuit. Tiens, c'était trouver le reportage de la télé régionale. Ah, tu as réussi à convaincre ta copine journaliste, bravo. Mm-hmm. Et elle est jolie. Je le crois pas, Isabelle. T'es jalouse? Entrez. Les touristes allemands se sont fait braquer cette nuit sur une aire de repos par un individu cagoulé et armé. La victime? L'homme est blessé, mais ses jours sont pas en danger. Non, ce qui est intéressant, c'est que l'agression a eu lieu dans un secteur qu'on ratisse depuis plusieurs jours. Le préjudice? Une passate, de l'argent liquide, environ 1000 euros. Ça pourrait avoir un rapport avec nos voyous? C'est pas impossible. Vu qu'on connaît leur voiture, ils ont besoin d'un autre véhicule pour pouvoir nous échapper. Ce qui voudrait dire qu'ils sont planqués, pas loin, prêts à tout pour s'en sortir. Prends-moi ça. On vient le chercher. Con. Gros moment, non? Foutez-nous la paix, vous êtes lourd. Arrête de te la jouer, toi. T'es pas content? Laisse tomber, elle habite avec une fliquette. Tu sais, la gendarme à Tripou, là. Qu'est-ce que t'as dit? C'est un homme de criminel, ouais. Ça va? Oui, merci. T'as raison de défendre ta mère. C'est une femme bien. C'est vous qui avez appelé hier? Je reconnais votre voix, vous êtes qui? Ah, tu t'es fait mal, là. Non, c'est rien. Tu veux que je te raccompagne? Ma voiture est là. Non, j'ai mon vélo. Et puis je monte jamais avec des inconnus. Surtout dans des bagnoles pourries. Au revoir, Lola. Je m'appelle pas Lola. De la part de qui? Ne quittez pas. Eh bien, j'écoute. Et il s'appelle comment, cet ami? Passe-le-moi. Oui, je vous écoute. Vous êtes sûr? À quel endroit? Isabelle, il est du nouveau. Un témoin anonyme affirme avoir reconnu Brenner sur une photo parue dans la presse. Il connaît leur planque? Oui, une vieille baraque dans la montagne qui appartiendrait à la famille d'un individu actuellement incarcéré et qui a lui aussi connu Balin en prison. Non, mais c'est un club de rencontres, cette prison. Oui. Le témoin, quel genre de voix? Grave, posée. C'est d'un adulte, quoi. Encore lui. Comment ça, encore lui?
Comorek. Il y a la voiture du gardien de chez Germino. Notre informateur ne vous a pas menti hier. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Toujours rien. Calme plat. Tout le monde est en place. Affirmatif. Équipe Bravo en position. Ok. On y va. À tous, précautions d'usage. Bien reçu. Allez, go. On dirait que les rats ont quitté le navire. Pourtant, ils étaient là il n'y a pas longtemps. Comme si quelqu'un les avait prévenus avant notre arrivée. On a au moins la confirmation de la présence d'un blessé parmi eux. Ça, c'est certainement le résultat de votre tir chez Gerpino. Envoyez au labo pour rechercher ADN. Oui. Une balle tirée dans la tête à bout portant. C'est pas Brenner. C'est pas possible d'arriver toujours après la bataille. Du 9 mm, c'est le même calibre utilisé lors de la fusillade chez Gerbino. Apparemment, l'arme a disparu. Les salauds, ils l'ont buté. Deux morts violentes en moins de 48 heures, ça commence à faire beaucoup. Règlement de compte. C'est sûr que Nolaskar était pas des prix Nobel de la paix, mais enfin, je trouve le moment mal choisi pour s'entretuer. Le type était blessé, ça devenait un fardeau pour Brenner. Ouais, c'est une possibilité. Vous dites rien? Je pense que Brenner n'y est pour rien du tout. Votre correspondant anonyme, il connaissait votre nom? Ah oui, c'est à moi personnellement qu'il a demandé à parler. Il connaissait l'adresse de Chevalier, c'est grâce à lui qu'on est arrivé jusqu'ici. À chaque fois, on tombe sur un cadavre encore chaud. Je me connais, il vous connaît. C'est forcément dans notre passé à tous qu'on trouvera la solution. Qu'est-ce qu'on a pu faire à ce type pour qu'il devienne dingue à ce point-là? Tirez pas, je suis pas armé! De où? Marchand? C'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu te sauver. Provisoirement, en tout cas. Fais pas le con! Faut qu'on parle! Je suis sûr qu'on va se parler, on en a des choses à se raconter. Tiens, enfile ça. À moins que tu préfères que je te refile au flic tout de suite. Descends. Marc Sanchez, 21 ans. Fiché lui aussi comme ses copains, Brenner, Balin et Chevalier. Belle brochette, vous trouvez pas? Pour l'instant, leur seul point commun, la prison des Baumettes. Je veux tout savoir sur leur détention. Le nom des codétenus, le moindre incident auquel ils auraient pu être mêlés. J'ai contacté l'administration pénitentiaire pour avoir un point précis sur leur séjour là-bas. Bien. Oui, Chloé. T'as vu l'heure? J'arrête pas de bouffer des chips, je frôle l'overdose. Écoute, j'ai encore un petit peu de travail. Au fait, je l'ai vu, ton mec. Quel mec? Grand, brun, pas mal, mais un drôle de regard. Quel âge? Je sais pas, moi, vieux, mais encore présentable. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Tu me fais flipper, là. Non, non, il n'y a pas de raison, mais je... Je préférais que tu fasses attention en allant au lycée. Je t'emmènerai demain, d'accord? Oh, j'ai plus 10 ans. Eh ben, raison de plus pour faire attention. Tu vas pas encore bosser, là? Pourquoi t'as faim? Alors, je bosserai tout à l'heure.
On se fait une petite bouffe entre filles. Allez. Prépare-toi. Vas-y. Allez, avance. Là. Tourne là, à gauche. Allez, là. Sanchez, Chevalier, c'est toi, hein? Ton ami. Comment tu nous as retrouvés? Anto, je disais pas grand-chose. Mais j'écoutais. Comme vous parliez beaucoup. Pourquoi tu fais tout ça? Elle est mignonne, ta question. Je te rappelle le passé. Qu'est-ce que vous m'avez fait subir à 4 contre 1, enfoiré? Hein? Tu vas me tuer, hein? Comme les autres! D'abord, on va manger. Après, on parlera des sujets qui fâchent. Ça te va? Tu peux repasser en arrière? Stop, stop. La voiture, là, c'est la sienne. T'es sûr? Ah oui. Toute pourrie avec l'aile repeinte en rouge, c'est sa bagnole. Dommage, on peut pas voir la plaque. Tu peux me dire maintenant, ce bonhomme, c'est qui? Un tueur? Un tueur, je ne sais pas, mais un témoin important, sûrement, oui. C'est trop bien. Je participe à une vraie enquête. Dis donc, toi, c'est pas toi qui détestais mon métier? Pas quand c'est moi qui le fais. Va vite te coucher, petite peste. Je repense à un truc. À un moment, ton mec, il m'a appelé Lola. Qu'est-ce que t'as dit? Comment il t'a appelé? Lola. J'ai pas compris, je dois ressembler à une autre nana. Bonne nuit. Lola. Moi, monsieur Marchand. Qui d'autre que vous aurait pu prononcer ces mots à l'oreille de Claire juste avant de la violer? Lola, Lola. Qui d'autre que vous? Tu sais que je pourrais te violer, là? T'es tué. Tu sais ça? Lâchez-moi. Tu veux dire que Marchand aurait attendu tout ce temps pour se venger? C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, il a écopé d'une peine de prison de 30 ans et qu'il est visiblement dehors au bout de 13 années. Si c'était évadé, on aurait été au courant, non?
toute façon, à l'heure qu'il est, c'est même pas la peine d'appeler la chancellerie, il y aura personne. D'où ça vient ce prénom Lola? Un vieux film avec Marlène Dietrich, l'ange bleu. Il avait fait une fixation dessus, je sais pas pourquoi. J'aimerais tellement savoir ce qu'il a dans la tête. C'est lui qui mène le jeu, lui. Il a tous les pions en main. Quel sera son prochain coup? En tout cas, une chose est sûre, Isabelle. Ce type t'en veut énormément. Tu es au centre de son plan. Mais s'il a développé une telle haine contre moi, c'est forcément par moi qu'on pourra remonter jusqu'à lui. Raison de plus pour te montrer particulièrement prudente. Le danger peut venir de partout. Tu vois, c'est étrange parce que depuis que ce danger a un visage et un nom, j'ai moins peur. Gilbert Marchand. Et si je m'attendais un jour à revoir ce type sur notre chemin. Mais voilà. Retour de la pénitentiaire. Gilbert Marchand a été libéré il y a 2 mois pour cause de maladie grave. Cancer du pancréas, mauvais pronostic, traitement lourd. Liberté conditionnelle? Oui, il devait pointer au commissariat 2 fois par semaine. Ben voilà, tout s'explique. Il était pendant 6 mois au Baumettes. Et c'est là qu'il a rencontré Brenner et sa bande. Ça commence à bien fonctionner tout ça. Ils ont dû être collés au mitard après une bagarre entre détenus. Marchand, c'est un violeur, un assassin d'enfants. Ils ont dû lui en faire baver. Une bonne raison pour se venger. La brigade locale s'est rendue au domicile de Marchand. Évidemment, elle n'était pas là. D'après sa femme de ménage, il n'est pas rentré depuis 2 jours. Marchand est très malade. Il sait qu'il va mourir bientôt. C'est pour ça qu'il est très dangereux. Tiens. On va se faire une petite photo. Allez, un petit sourire à tous les deux. T'es magnifique. Allez, sois sage, je reviens. Avec une surprise. Il joue. C'est toi qui as insisté pour m'accompagner. Tu veux vraiment que je sois à la bourre ou quoi? Excuse-moi. Je viens te chercher à midi. Ok. C'est dingue ça, regarde. La voiture de ton mec, elle est là. On va tout à l'heure.
bouche plus, on parlera plus tard. Allez, maintenant, on démarre. Allez. Vous êtes fou, Marchand. Démarrez. Téléphone. Santé. Passez vos mains là. Ah, attendez, j'ai oublié. Bougez pas! Petit SMS pour prévenir la jolie petite Chloé que vous pourrez pas venir la chercher. Ça y est. C'est parti. Il y a encore temps de tout arrêter, Marchand. Moi, je peux rien à perdre. Mais vous, beaucoup. Montez. Asseyez-vous là. Pas. C'est elle qui a tué ton pote Grégory. Salade. Oh, elle a pas fait que ça, va. Elle m'a fait du mal, à moi aussi. Arrêtez d'inverser les rôles, Marchand. Si vous en êtes là maintenant, vous devez vous en prendre qu'à vous. Ah bon? C'est pas à cause de vous que j'ai vécu cet enfer depuis des années? Vous aviez tué une gamine de 15 ans, j'ai fait mon métier. Ta gueule! Sans elle, je t'aurais pas rencontré, toi et tes potes. J'aurais encore ma dignité. Vous m'aurez pas humilié! Flingue-la! Poussez un marchand! Brenner, vous avez tué un gendarme. Vous savez combien ça va vous coûter? Ta gueule! Quand je suis sorti de tôle, j'avais qu'une idée en tête. Je voulais régler mes comptes. Mais le destin en a voulu autrement. J'ai eu la chance, non? Il vous a remis sur mon chemin. Et maintenant, vous allez faire quoi? Tuer? Tuer? Fort? Et après? Faut pas que je flanche là. Faut que je tienne le coup. Détachez-moi, Marchand. On va appeler les secours. On va vous soigner. Je suis foutu, je le sais, mais vous aussi. Valère! Je te présente ton nouveau bourreau. Il s'appelle Florent. C'est quoi ce truc? Vous êtes sur la messagerie d'Isabelle Florent, je ne suis pas disponible à laisser un message. Ça va pas, ça. Pas du tout. Oui, allô? Capitaine? C'est Chloé. Isabelle est avec vous? Non, pourquoi? Je viens de recevoir un message trop bizarre où elle dit qu'elle peut pas venir me chercher. Et c'est signé maman. Maman? Je l'appelle jamais comme ça. Elle vous a rien dit non plus pour la voiture de son mec? Quelle voiture? La 205 pourrie garée devant le bahut. Non, écoute-moi, Chloé. Surtout, tu ne bouges pas. Je t'envoie un véhicule immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Rien, t'inquiète pas. Isabelle doit pas être bien loin. Ne bouge pas, on arrive. Hein. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Platon? Il y a un gros problème. C'est votre arme. Nos empreintes dessus.
Avec cette arme, j'ai buté Brenner. Et après, je me tire une balle en tête. Ça va être difficile à expliquer, ça. Vous délirez. Vous croyez que ce sera suffisant pour me faire accuser de meurtre? Bien sûr. Comme vous avez expliqué, qu'on vous retrouve avec deux cadavres abattus par votre arme personnelle. Hein? Si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement, il faudrait que j'aie les mains libres. Comment vous allez faire pour me détacher une fois que vous serez mort? J'ai tout prévu. Là, vous pourrez plus vous abriter derrière la légitime défense. Vous allez vous retrouver en tôle. Et vivre le calvaire que j'ai vécu pendant toutes ces années. Mais arrêtez de conneries, machin ! Bute-la ! Bute-la, je t'ai dit ! Ta gueule ! Et maintenant, fais quoi ? Dégagez. Allez ! Tuez-moi, marchand. Votre beau plan, là, pour me faire accuser de meurtre. Hein ? Qu'est-ce qu'on en fait, maintenant ? Tirez-vous ! Je bougerai pas ! Tuez-moi, marchand, allez, tirez ! Allez, marchand, tuez-moi. Tuez-moi, allez. Laissez-moi buter cet enfoiré ! Marchand ! Isabelle ! Isabelle, je suis là, ça va. Cabinet, il a son compte. Allez, Isabelle, ça va, allez. Appelez les secours, vite. Ambulance d'urgence. Il y a un gendarme blessé. Isabelle, on ne t'a fait pas retrouver. On a tracé ta voiture. Isabelle. T'as un ange gardien, il peut rien t'arriver. Levez. Alors ? Hémorragie interne. Impossible de se prononcer pour le moment. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas ? La tension est faible, elle a perdu beaucoup de sang. Je peux pas me prononcer. Il faut attendre les résultats des analyses et du scanner. Isabelle. Isabelle, je suis là. Isabelle, tu m'entends ? Avec un de mes officiers. Une femme, bien sûr. Bien sûr. Je suis là, Isabelle, je suis là. Il faudrait que tu t'occupes des enfants. On va s'en occuper. Hein? Toi, la première. Je vais dire, si jamais ça devait durer un petit peu trop longtemps. Isabelle. Isabelle. Isabelle.